Merci de nous rejoindre sur Télé-Tchad. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Les travaux ont lieu ce mardi à Radisson Blu, hôtel d'Ndjamena. C'était en présence de 4 chefs d'État et 2 chefs du gouvernement. Un sommet placé sous le patronage du président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno. Voici tout de suite les temps forts de la cérémonie avec Belgar Larmelak. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et des délégations de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale s'est ouvert ce mercredi à N'Djamena. Aux côtés du président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno, l'on retiendra la présence de Paul Biya et son épouse Chantal, Faustin Archange Touadéra, Théodoro Obiangueman Bazogo, ainsi que les chefs de gouvernement représentant les présidents du Congo et du Gabon, et le président de la commission, Pierre Moussa. Très ravi d'accueillir dans sa ville ce sommet, le maire de la ville de N'Djamena n'a pas manqué de mots pour remercier les hôtes. Vous avez la clé de la ville. Vous pouvez la découvrir et admirer ses merveilles, ses richesses culturelles et sa diversité en pleine expansion. Je suis convaincu que vous serez émerveillé par la métamorphose et les changements rapides qu'a connu la ville de N'Djamena ces dernières années, et ceci grâce à la volonté sans cesse renouvelée de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui veut lui donner un nouveau visage. Le président de la commission de la CEMAC, arrivé en fin de mandat, a dans son bilan d'exercice de 5 années salué les efforts fournis par les pays membres pour l'intégration de l'espace communautaire. Malgré les avancées, Pierre Moussa reconnaît tout de même que le chantier reste encore très immense au regard de la vision et du rôle assigné à la CEMAC. Vous êtes appelé ce jour, au cours de cet important sommet, à examiner 2 éléments fondamentaux sans lesquels l'intégration et le marché commun sont un leurre. Il s'agit tout d'abord de la libre circulation des personnes qui est désormais une réalité dans notre sous-région. La généralisation de cette mesure dans l'ensemble des pays de la CEMAC, qui n'était jusque-là assise sur aucun fondement juridique précis et actuel, a été consacrée par acte additionnel du 25 juin 2013 et reprécisée au sommet de Djiblo du 17 février 2017. Au cours de ce dernier sommet, tous les chefs d'État se sont prononcés pour la politique d'émigration qu'il conviendra de rendre opérationnelle par l'adoption de textes appropriés. Pour le service rendu à la communauté et par décision des chefs d'État, 7 personnalités de différentes nationalités sont décorées par le président de la République du Tchad et président en exercice de la CEMAC. Le président en exercice de la CEMAC, dans son discours d'ouverture des travaux de ce sommet extraordinaire, réaffirme l'engagement des États membres à œuvrer en synergie pour le développement de la communauté. Il échoua aux décideurs politiques de renforcer la politique d'intégration afin d'accompagner plus efficacement cette dynamique qui a pris forme dans la psychologie collective et qui s'est renforcé avec l'accélération de la mondialisation. Je voudrais à cet égard me féliciter des récentes avancées sur le front de la libre circulation des personnes qui ont été permises par tous les gouvernements de nos États membres. Bravo. Ces derniers ont reconfirmé leur adhésion, atteste à cette exigence de base, à toute ambition communautaire, en précisant aux services nationaux chargés du contrôle des frontières les modalités de l'exercice de cette liberté de circulation. Je crois que je prends en témoin toutes les filles et fils de la communauté qui sont venues à N'Djamena sont rentrées sans visa. Voilà un bon début.
Après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement et autres responsables des institutions relevant de la CEMAC se sont retrouvés à huis clos pour les travaux. Voilà, après avoir réaffirmé l'engagement des pays membres pour l'atteinte des objectifs de l'institution commune, le président en exercice de la CEMAC a indiqué que la lutte contre le terrorisme dans la sous-région sera au centre de toutes les préoccupations des dirigeants de la sous-région. Idriss Déby, Itno. Le contexte dans lequel nous évoluons présentement nous incite à l'action et surtout à plus d'engagement. Tous nos pays sont en proie à une rude conjoncture économique du fait des chocs exogènes que nous connaissons tous. L'insécurité rampante qui est nourrie par le terroriste, en particulier de Boko Haram, met à rude épreuve tous nos efforts de développement. Je voudrais à cette occasion opportune, et je dirais, dire à mes frères et sœurs de la sous-région de la CEMAC, vous avez dû entendre et quelque part et qu'il y aurait des terroristes d'Acmi, Moudjahou et Boko Haram au Tchad à N'Djamena. Je porte un démenti formel à cela. Mais l'engagement du Tchad face à la lutte contre le terrorisme va au-delà, en fait, disons, de ces considérations. Nous continuerons notre lutte. En évoquant les contingences qui sapent le développement de notre sous-région, je ne saurais occulter la situation qui prévaut en République centrafricaine. L'accalmie observée sur le front sécuritaire au lendemain des dernières consultations électorales est en train de se dégrader à une vitesse très inquiétante. Les récents affrontements entre groupes armés sont un indice assez révélateur de la résurgence de l'insécurité, de l'instabilité dans ces pays frères. Comme nous l'avons fait par le passé, nous devons soutenir et aider le peuple centrafricain dans l'optique d'un retour à la paix définitive et à la stabilité totale. La solidarité qui est le ferment de notre institution doit une fois de plus se manifester en faveur de la République centrafricaine. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer ici la toute première visite de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies à Bangui. Ce déplacement apporte non seulement un réconfort moral au peuple martyr de la RCA, mais il traduit un éveil de conscience de la communauté internationale qui a quelque peu oublié à un moment son devoir de solidarité à l'endroit de ce pays. Bien évidemment, je souhaite que ce regain d'attention s'accompagne des actions concrètes allant dans le sens de la paix et de la stabilité en République centrafricaine. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais, pour clore mon propos, formuler le vœu que les présentes assises renforcent notre élan communautaire, gage d'intégration forte et durable. Tout en nous souhaitant de meilleures délibérations, je déclare ouvert les travaux du sommet extraordinaire de la CEMAC.